Bonsoir, bien-aimés frères, sœurs, mes amis. Nous sommes dans la salle Jaspe. Remède pour son estomac. Et nous voyons aussi Paul en ouvrant son cœur. Nous montrons en 2 Timothée à la fin de ce livre ce sentiment. C'est cela que nous voulons parler aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, nous pouvions capter ce sentiment. À la fin de sa vie, quand il a écrit 2 Timothée, son sentiment qu'il avait, tout leur avait abandonné. Il répète le mot « abandonné » beaucoup de fois. Et Paul était tout seul. Tout le monde s'en est allé. Il était dans une prison, dans un trou très humide, tout seul. Nous voyons beaucoup de sentiments. Ce sont ces sentiments que nous voyons parler aujourd'hui. Et Timothée, d'autre côté, depuis que Paul a donné la mission de parler à l'Église, pour que personne ne enseigne des enseignements différents. Le mot grec, c'est hétérodidaskaleo, c'est-à-dire enseigner des choses différentes, des choses que Paul n'avait pas dit, les choses qui n'ont pas à voir avec l'économie de Dieu. Paul, quand il a laissé Timothée en Éphèse, Paul était libre. Mais quand Paul a écrit de Timothée, Paul était en prison. Il ne savait pas s'il serait libre. Il attendait sa sentence de mort. Et Timothée, il n'a pas voulu changer la situation de l'église d'Éphèse. Il était désencouragé. En 2 Timothée, chapitre 1, Paul a dit qu'il pouvait ranimer le don de Dieu qu'il avait en lui. Donc, Timothée était dans laquelle situation? Je lis maintenant 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. Je veux que vous preniez le sentiment de Paul, son esprit. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Donc, il parle à propos de quelqu'un qui n'est mentionné que ici. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Timothée, vous êtes peut-être avec honte de mes prisons, de mes chaînes. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Onésiphore. Il n'a pas honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il n'a pas désisté jusqu'à me trouver. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde. C'est quoi ce jour? C'est le jour du jugement. D'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Aujourd'hui, nous parlerons ce personnage. C'est inconnu dans la Bible. Il s'appelle Onésiphore. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour Paul? Comment il a ranimé Paul?
Comment il a soutenu Paul, a encouragé Paul? Nous parlerons à propos de cela. Mais avant cela, je veux parler à propos de Abraham Lincoln, le célèbre président des États-Unis qui est mort, qui est disparu en 1985. Quelque chose à propos de sa vie qui ont trouvé dans sa poche, dans la bibliothèque du Congrès, il y a une boîte bleue où est écrit contenu du poche du président Lincoln. Qu'est-ce que cette boîte contient? Si tu vas à la bibliothèque du Congrès et cette boîte sera là-bas, tu verras que parmi beaucoup de outils, des objets personnels, il y avait une serviette brodée avec son nom. Il y avait un petit couteau. Il y avait deux lunettes. Un de ces lunettes, il était brisé. Et le président Lincoln avait rangé ses lunettes avec une petite corde, ligne. Il y avait une poche avec l'argent de $5. Il y avait des autres objets. Il y avait petits papiers du journal. Ces parts de journal qui ont été retirées des articles des journaux où le président Lincoln habitait pendant la campagne de son élection. Il venait d'être élu quand il a été assassiné. Il y avait aussi ce petit morceau du journal parlait des éloges. Il y avait 8 de ce morceau du papier, des articles qui parlaient bien de lui, parlant que disait qu'il était un grand homme. Il y a un article qui nous attire l'attention. John Bright était quelqu'un très célèbre britannique. Il a écrit que Lincoln, à cette époque-là, était le plus grand homme de tous les temps. Était écrit dans cet article que Lincoln était le plus grand homme de tous les temps. Aujourd'hui, qui sommes dans le siècle 21, c'est pas nouveauté pour nous. C'est le 16e président après Lincoln. Nous vivons cela aujourd'hui. Tout le monde sait cela, mais 1865, ce jugement n'était pas formé. La nation était divisée par nord et sud. Lincoln était le but des attaques tant de nord qu'en de sud. Il prenait des décisions dans son gouvernement pour essayer de restaurer l'union. Nous devons nous souvenir que Lincoln n'a pas lu dans les livres d'histoire à propos des choses
qui sont arrivés à propos de son histoire. Il n'y avait pas de livre. Il ne savait pas. C'est très intéressant qu'un homme avec la capacité de Lincoln, il est très tout seul. Imaginez-vous cette scène. Il se retire dans le principal salon de la Maison Blanche. Il reliait, il lisait, relisait les morceaux du journal qui parlaient de lui. Le titre était « La solitude d'Abraham Lincoln ». Il était un grand homme, mais il ne savait pas qu'il serait reconnu par cela. Le fait nous montre que le morceau du journal, les articles, nous montrent qu'il souvent allait liser ce morceau. Charles Swindon, un pasteur, a écrit cet épisode. Il a dit, les personnes, c'est ce sentiment que je veux vous passer aujourd'hui, les personnes, surtout les leaders, ont besoin d'encouragement. C'est-à-dire, tout le monde a besoin d'encouragement. Mais ici, il parle à propos de leaders, surtout. Beaucoup de fois, ceux qui sont leaders, ils essayent d'encourager beaucoup de personnes, mais eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup d'encouragement. Cet auteur, il a dit que principalement, les leaders ont besoin d'encouragement. On va changer de scène, sortir du principal salon, de principale pièce de la Maison Blanche, et nous allons pour la prison. Vous savez ce qui est une prison, un trou? Nous croyons que Paul était sous la terre, où était humide, froid. Nous allons transférer, sortir de la Maison Blanche et aller à Rome. Imaginez-vous, il y a un rayon de lumière que pénètre pour un trou, un petit trou, illuminant cette prison. Là-bas, il y a un juif. Touché par la souffrance, il est enchaîné à un garde. C'était Paul de Tarse. Il attendait son exécution. Je sens que nous avons besoin de penser que Paul n'avait pas la science que sa vie et son enseignement changeraient radicalement le cours de l'histoire de l'humanité. Mais à cette époque-là, dans cette prison, il ne savait pas que cela arrivera. Il savait plutôt que sa fin, que la fin, c'était proche. Et que beaucoup de personnes qu'il a beaucoup aimées, les églises, les coopérateurs qu'il a beaucoup aimées, qu'il a enseigné aussi, et par lesquels qu'il a donné sa propre vie, ceux-ci ont abandonné à Paul. Imaginez-vous, tout à coup, il entend un bruit. Je décris
avec beaucoup de détails ce scène. Il entend un bruit. Un garde, il ouvre la tempe. Se fait naître comme une fenêtre. Et Paul regarde. Il voit une lumière très forte par cette fenêtre. Il regarde contre la lumière. Il voit quelqu'un qui descend par l'échelle, mais il ne sait pas ce qui est cela. Paul, le garde, crie. Quelqu'un pour te visiter, il ne sait pas parce qu'il n'arrive pas à regarder. Mais il entend, Paul, lui soit le Seigneur, je t'ai trouvé. Paul ne savait pas, mais il a reconnu la voix. Onésiphore, c'est toi mon ami, c'est toi mon frère. Oh, imaginez. Les deux s'embrassent chaleureusement. Imaginez, Paul peut-être avait un malodeur et Onésiphore donne pour Paul du fromage, du boisson, des fruits. Imaginez-vous, Paul tout seul dans cette prison, tout à coup, apparaît quelqu'un avec une voix amie, quelqu'un qu'il connaît, et tous les ont abandonné, mais Onésiphore est allé là-bas. Onésiphore est retourné beaucoup de fois en apportant de bonnes nouvelles pour Paul, comme sur comment l'évangile avançait. Et chaque fois qu'il allait visiter Paul, Paul était ranimé. Tant dans son cœur que dans son âme, son émotion, mais plutôt principalement dans son esprit. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Il y a trois versets à propos d'Onésiphore. En démontrant sa gratitude, ce sont des versets avec beaucoup de sentiments. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, pardon, car il m'a souvent consolé. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Paul priait au Seigneur pour donner des miséricordes à Onésiphore et sa maison. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, Onésiphore a donné le console à Paul. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Onésiphore n'a pas eu honte de qui Paul était en prison. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Peut-être on trouve et quand on recherche et quand on n'en trouve pas, on désiste. Mais Onésiphore, au contraire, il a persévéré. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Même quand Paul était à Éphèse, Onésiphore, cela a été avant l'emprisonnement de Paul. Onésiphore a beaucoup aidé Paul. Après que Paul a été prisonnier, Onésiphore pouvait penser Paul est fort. Parfois, on pense ce frère-là, il est fort. Ses frères, ils sont forts. Peut-être Onésiphore pourrait penser Paul, il est fort. Il est le grand apôtre de gentil. Il est accoutumé, habitué
Les souffrances, ce n'est pas la première fois qu'il est en prison. Il a été déjà prisonnier dans cette maison qu'il a louée en Rome. Il était aussi prisonnier à Philippe. Est-ce que je suis quelqu'un pour lui donner d'aide? Il peut se débrouiller tout seul. Dieu va se décharger de lui, se charger de lui. Mais loué soit le Seigneur que Onésiphore n'a pas pensé comme ça. En vérité, que tant vous que nous avons besoin d'être ranimés. Beaucoup de fois dans notre vie, dans nos vies. Même le Seigneur Jésus, il avait besoin d'encouragement, vous savez. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il n'a pas besoin d'être encouragé. Il est tout puissant. Il fait tout le miracle. Mais rappelez-vous, Jésus, il est venu comme le fils d'homme. Nous ne parlons pas de Fils de Dieu maintenant, mais c'est l'évangile du Fils de l'homme. Il est devenu homme pour expérimenter tout ce que nous passons, nos douleurs, pour vivre nos solitudes, tout ce que nous passons, pour qu'il puisse nous encourager à accomplir notre mission. Tout ce que nous parlons, c'est pour nous ranimer, pour prêcher l'évangile. Paul, il était un ministre de l'évangile, loué soit le Seigneur. Tous ont besoin d'être encouragés. Même le Seigneur Jésus, quand il était dans son heure d'angoisse au Gethsémane, il a prié trois fois, il a emmené trois de ses disciples. Il a demandé à eux pour qu'ils pouvaient vigier et prier avec lui. Parce que son âme était très triste. Matthieu, chapitre 26. À la mesure que je parle, que vous puissiez capter le sentiment. Le mot clé, c'est sentiment. Le sentiment de prendre soin de quelqu'un. Le sentiment de vouloir amener quelqu'un au salut, amener l'évangile pour cette personne, le sentiment de prendre soin de quelqu'un qui est désencouragé. Matthieu 26, verset 36, dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je me lèverai pour prier. Mais il n'est pas allé tout seul. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Regarde, le Seigneur a amené les trois parce qu'il avait besoin d'encouragement. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il s'est ouvert à eux. Il a cherché la communion, l'appui émotionnel, psychologique. Parce que ce que lui ébranlait humainement, c'était l'angoisse, la tristesse qui touchait son émotion. Jésus, en tant qu'homme, il avait besoin d'appui, de soutien, de la présence de ses amis, de ses disciples, de ceux qui étaient très intimes. Veillez avec moi, restez ici et veillez avec moi. Il a cherché appui, soutien de son disciple. C'est cela que nous avons dans le réseau de soutien, de soins. Pensez-vous, si Jésus a eu besoin de la présence de ses amis, et Paul aussi, nous aussi, nous avons besoin de la présence, des présences des amis. Peut-être nous pensons que nous sommes seulement des frères. Avant, nous avons entendu nous avons dans l'Église seulement des frères, nous n'avons pas d'amis.
Mais ce n'est pas vrai cela. Jean, dans sa troisième épître, il a parlé des amis. Nous avons besoin d'être amis au-delà d'être frères. Dans une live avec le frère Pedro, Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et la persévérance en Jésus. Beaucoup de femmes, nous pensons que Jean était seulement frère, mais qui est part, qui est le compagnon. Aujourd'hui, nous avons besoin de frères et de compagnons, de sœurs et de compagnons, et de celles qui sont compagnons, des frères, des amis. Nous souhaitons qu'il y ait cet réseau de soins entre la femme et le mari, qu'il y ait ce sentiment que nous sommes frères, mais nous sommes compagnons, nous sommes des compagnons. Il manque cela dans le couple. Il ne bavarde pas. Il ne se parle pas. On me cherche par beaucoup de couples que ne se parle pas. Il y a cette difficulté avec les pères et leurs fils. Mais aujourd'hui, louez sur le Seigneur, car il y a beaucoup de jeunes qui sont actifs. C'est un cadeau de Dieu pour l'Église. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés avec leurs pères. Ils n'arrivent pas à dialoguer avec leur père. Nous avons besoin, bien mes frères, de prendre soin, comme la nourriture quotidienne de cette semaine dire, de soigner de notre propre maison. Oh Seigneur Jésus. Donc nous avons besoin de cette intimité humaine, de cette amitié. Cela signifie que nous tous, regarde, peut-être nous sommes dans un trou, dans une chaîne, dans cette pandémie. Il y a beaucoup qui se sont dans une prison. Il y a des jeunes aussi, surtout les adolescents, qui sont très touchés. Louez soit le Seigneur par ceux qui sont forts, qui rencontrent dans l'Évangile. Il peut sortir et prêcher l'Évangile, mais il y a des autres qui ont été touchés par la pandémie. La pandémie, d'une certaine manière, est devenue une prison pour beaucoup de frères de tous les âges. Quand nous sommes dans une prison, nous avons besoin que quelqu'un nous aide, que quelqu'un vienne à notre recherche. Mais si nous ne sommes pas dans une prison, nous avons besoin de chercher pour ceux qui ont besoin d'être ranimés. Il est vrai, nous avons besoin de soins, mais que nous puissions nous devons aller chercher ceux qui ont besoin de soins. Que nous puissions chercher ceux qui ont besoin d'être ranimés dans les prisons de ces vies. Il y a beaucoup de prisons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la prison du péché. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils sont dans une prison du péché, mais peut-être il y a des frères qui sont dans une prison émotionnelle, dans une prison psychique. Nous avons besoin de les aider, les encourager.
Comme Paul l'a dit, cela, à propos d'Onésiphore, nous montre que Paul avait ce besoin. Que de cette manière, nous tous pouvions servir nos frères comme des Onésiphores, les uns pour les autres. Le fait que Paul a dit que Timothée était faible, Timothée, tu as honte, car Paul a dit, n'aie pas honte de moi, de mes chaînes. Paul disait pour Timothée, sois imitateur d'Onésiphore. Vous avez besoin d'être en Onésiphore aussi et prends soin des autres. Qui a été Onésiphore? Qui a été lui? Il était un chrétien, membre de l'église en Éphèse. Il était de l'église à Éphèse. Il était un exemple. Le fait que Paul a parlé à propos de lui trois fois nous montre qu'il était un exemple. Nous n'avons pas beaucoup de détails qui était lui, mais en fait, c'est un exemple de quelqu'un qui était pieux, bénévole avec l'apôtre. C'est quelque chose qui doit être suivi et imité par tous les croyants, pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Le nom Onésiphore signifie ce nom est grec, signifie celui qui nous donne du profit. Si j'ai besoin d'un profit, c'est quelqu'un qui nous apporte un profit, un porteur de bénéfices. Des bénéfices. Ou peut-être même, en disant spirituellement, un vase de bénédiction. Un vase, c'est un porteur des bénéfices, de bénédiction. Un porteur de bénédiction. Onésiphore est traité dans cette portion 2 Timothée 4. Nous voyons Onésiphore aussi. Onésiphore, 2 Timothée 4, 19. Salut Prisca, Aquila et la famille d'Onésiphore. Il était de la ville d'Éphèse. L'Éphèse, c'était la capitale de la province romaine de l'Asie mineure. C'était le centre très fort d'idolâtrie et de cultisme. La ville était un centre économique, était un centre culturel et religieux à cette époque-là. Nous pouvons voir que la vie économique et sociale s'était attachée au culte de Diane. Éphèse était considérée la septième merveille du monde ancien. Paul était à Éphèse pour trois années. L'évangile a été prêché là-bas pour l'apôtre Paul, par l'apôtre Paul. Et l'évangile a croit. Et cela a rendu beaucoup de tribulations à Paul. Pendant ces trois années que Paul a passé par là-bas, Onésiphore a prêté beaucoup de soins à Paul. À cette époque-là, le ministère de Paul a été a eu beaucoup de luttes. Plus grandes que sa propre vie. Peut-être nous n'avons pas identifié les souffrances qui Paul a été en Éphèse. 2 Corinthiens 1, 8. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus buscou.
2 Corinthiens 1, 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Éphèse, c'était la capitale. Que nous avons été excessivement accablés. Peut-être, Paul a dit... Je ne supporte plus, peut-être Paul a dit cela. Verset 9. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui nous ressuscite des morts, qui ressuscite les morts. 1 Corinthiens 15, 32. Nous rassemblerons des pièces pour monter, pour rassembler ce jeu. Si c'est dans le vue humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, peut-être Paul a été livré, laissé dans un endroit pour lutter avec des bêtes. Les interprètes de la Bible sont que ces mots « bêtes » s'agit en... Ce sont des personnes, ce seraient des personnes ou des choses qui ont arrivé à eux, à lui. Acte 19, verset 23. Dans ce chapitre, nous voyons tout le chapitre, la vie de Paul. Parle à propos de la vie de Paul. À partir du verset 23, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. On nommait Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » En Éphèse, tout était attaché à Diane. Mais le culte à Diane, mais quand Paul prêchait l'évangile, les personnes ont laissé d'acheter ces idoles. Et les hommes, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révélée, révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, « Gronde, c'est la Diane des Éphèses !» Toute la vie fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, campagnon de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'ont empêché. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Pendant ces périodes de troublement, qu'il a pu compter avec l'aide d'Onésiphore. Comme Paul a écrit ces trois versets, Paul a reconnu combien Onésiphore lui a aidé en Éphèse. Je veux lire 2 Timothée, chapitre 1, verset 18. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là,
Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Très bien. Paul, dans le verset 16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Et dans le chapitre 4, verset 29, que le Seigneur... Paul n'a pas mentionné Onésiphore tout seul, mais sa maison. Dans le verset 18, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde au jour du Seigneur. À cause de ces versets, dans la manière dont Paul a parlé à propos d'Onésiphore, il y a des personnes qui croient qu'Onésiphore est mort à ce moment-là. Mais comme Paul mentionne la maison d'Onésiphore, c'est-à-dire que toute sa famille s'est convertie à Dieu. Mais Paul, au-delà de parler à propos de la maison d'Onésiphore, il a parlé d'une manière détaillée, comme Paul a été aidé à Éphèse et comme Onésiphore a soutenu à Paul pendant son emprisonnement à Rome. L'amitié d'Onésiphore a été au-delà d'Éphèse. Parce que quand Paul était à Rome, Onésiphore a pris soin de Paul. Nous voyons le mot miséricorde. Nous parlerons maintenant sur l'histoire. L'incendie à Rome, cette histoire est enregistrée dans l'histoire. Il a été entre 17 et 24 de juin. Après cet incendie, Paul a commencé à être persécuté et accusé pour être ce qui a commencé l'incendie. Donc, il a été emprisonné et mis dans une prison. Vous connaissez l'histoire que beaucoup de personnes qui passaient par ces prisons, ils sortaient de là lépreux ou pour mourir. À l'intérieur de cette prison terrible, qui Paul a écrit sa dernière épître de Timothée. Donc, cela nous montre le contexte. Et dans cet épître, il parle pour Onésiphore la gratitude que Paul sentait par lui. C'est Onésiphore, il a encouragé Paul beaucoup de fois quand il était prisonnier. Et quand il sut que Paul était prisonnier, à la seconde fois, il est sorti d'Éphèse. Il est allé à la capitale, à la Rome, pour chercher l'apôtre. Il lui a cherché diligemment. Il n'a pas eu honte ou peur, mais quand il a rencontré Paul, conforter Paul. C'était la salle de avant la mort. C'était ce moment avant la mort du Paul que Onésiphore a ranimé Paul. Je veux répéter que dans cette deuxième prison, cette partie humaine qui Paul écrit dans sa seconde épître, peut-être nous passons par-dessus et nous considérons Paul comme un super-homme. Mais je veux vous montrer la fragilité de Paul à ce moment-là pour vous encourager et nous montrer comment prendre soin des frères.
Dans ses deuxièmes emprisonnements, il a eu du passé avec, lisons maintenant 2 Timothée chapitre 4 pour que nous puissions voir tous ces items, tous ces points. Verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné. Regarde, frère. Abandonné. Le mot abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Cresson est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Quelques-uns ont abandonné et quelques autres, Paul a envoyé. Luc seul est avec moi. Dans ce moment, Onésiphore n'était plus avec lui, mais Luc était. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pas pour le ministère. J'ai envoyé Tychic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Pourquoi le manteau? Parce que à cette époque-là, à Rome, il faisait très froid. Donc, Paul a laissé un manteau à la case de Carpus. Il était dans cette prison. Il voulait lire pour accomplir son temps, pour profiter son temps. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. La souffrance de Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Regarde, verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Personne n'a été allé pour défendre Paul. Personne n'est allé défendre Paul. Il était tout seul dans ce tribunal. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi. Peut-être Paul a prêché l'évangile à ce moment-là et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le lion peut être les personnes mauvaises, mais les faits mauvais, les situations mauvaises. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Onésiphore n'a pas hésité de Paul, même si Paul a été accusé comme un malfaiteur. De Timothée 2, 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il n'était pas un malfaiteur. À cause de cela, tout en Asie l'ont abandonné. Mais quand toutes les personnes l'ont abandonné, Onésiphore était avec lui. Cet esprit que nous avons besoin d'être avec les frères. Le titre, à la recherche des frères, Paul avait besoin, il avait besoin du soutien, d'encouragement en Onésiphore à été le chercher jusqu'à le trouver. Tant de frères qui ont besoin d'encouragement, qui ont laissé la vie de l'Église. À travers le réseau de soutien, il y a beaucoup de frères qui ont laissé la vie de l'Église, mais aujourd'hui, ils retournent à la vie de l'Église. Nous avons besoin d'aller chercher les frères qui ont réuni avec nous au passé, mais qui aujourd'hui, ils ont honte de retourner. Nous avons besoin de le chercher. Ils sont dans une prison. Nous avons besoin de le chercher jusqu'à
leur rencontrer. À travers d'eux, est-ce que je peux prier pour vous? Nous avons besoin de chercher ceux qui sont dans les prisons du péché. Nous avons besoin de chercher les brebis. D'une part, ce sont les incrédules, les pécheurs, mais par autre, ce sont les frères. Quand Jésus a parlé à propos des brebis, il parlait à propos des Juifs. Mais à la fin de Jean, Jésus dit à Pierre, « Paix, mes agneaux, paix, mes brebis, ce sont les frères. » Onésiphore est allé chercher Paul incansablement. Nous ne savons pas pourquoi Onésiphore est allé vers Rome, vers Paul. Nous ne savons pas s'il est allé à cause de ces choses. Nous ne savons pas quelle est la raison, le but qu'Onésiphore est allé à Rome. Mais au-delà de tout cela, Onésiphore est allé chercher Paul. Personne ne savait où Paul était. Imaginez-vous, si tu vas à São Paulo pour chercher un frère, mais Paul, il n'était pas dans une prison ordinaire, il était sous la terre. Personne ne savait où il était. Peut-être même Onésiphore ne savait pas marcher en Rome. Mais Onésiphore a trouvé Paul et l'a ranimé. L'amitié avec Onésiphore et Paul était très sincère. Cette complicité, c'était quelque chose de très fort que nous avons besoin de cultiver aujourd'hui. Loué soit le Seigneur. Et aussi, la Bible n'explique pas de quelle manière Onésiphore lui a encouragé. Peut-être avec un soutien financier, quelques services. Peut-être Paul était faible. Peut-être il a apporté les nourritures, les littératures. Mais la présence d'Onésiphore a encouragé Paul. Peut-être un coup de fil. Seulement notre présence encourage les frères. Peut-être Onésiphore a porté de nouvelles à propos de l'œuvre du Seigneur en Asie, dans le royaume de l'Empire romain. J'ai dit que Paul a mentionné la maison d'Onésiphore. Le fait qu'il a parlé à propos de la maison d'Onésiphore, il y a des gens qui pensent que Onésiphore était déjà mort quand Paul a écrit cette épître, quand Paul a dit la maison d'Onésiphore de Timothée 1:16 et de Timothée 4:19. Quand il dit à propos d'Onésiphore, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. C'est le jour du jugement. Si il était mort, comment il a été mort? Peut-être il a été mort à cause du Paul. Paul était considéré comme un criminel. Peut-être quelqu'un qui cherche Paul peut être considéré comme un criminel. Peut-être il a été martyrisé. Nous ne savons pas de cela, à propos de cela. Paul était le plus grand leader du christianisme. Donc, il était considéré comme un malfaiteur. Donc, les chrétiens étaient persécutés violentement. Quand nous lisons les études à propos d'Onésiphore, ils pensent que Onésiphore était mort à cette époque-là.
Mais peut-être Onésiphore était à Rome. Peut-être il n'était pas encore dans sa maison. Donc, il salue la famille d'Onésiphore, son compagnon fidèle. Donc, en fait, nous ne savons pas avec conviction, mais nous savons ce qu'il a fait. Et Paul, donc, il a écrit à Timothée pour le encourager comment il devrait prendre soin de l'Église. Il enseignait, conseillait le jeune Timothée à propos de son ministère, de son pastorat avec l'Église. Il donnait un message. Onésiphore, c'est quelqu'un que tu peux imiter. Le comportement d'Onésiphore, selon ce que nous avons lu, selon 2 Timothée 1, c'est le contraste avec le comportement, les actes de Phygèle et Hermogène. 2 Timothée 1, 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Mais dans le verset 17, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire, il y a un contraste très grand, car Onésiphore, c'est un exemple d'être suivi par rapport encouragement des frères. C'était quelqu'un qui encourage, qui est attaché à la cause de l'Évangile. Donc, Timothée devrait apprendre avec lui. Que nous puissions appliquer dans nos vies. Tu crois que nous efforçons pour bénir les frères, les amis. Tu secours les frères, les amis. Peut-être passer par des risques. Peut-être vous pouvez passer par des risques. Tu crois que nous exerçons miséricorde comme on est fort à exercer, bien aimés frères, aujourd'hui? La question d'assumer risque, nous sommes dans la pandémie, je pense à propos de cela. Nous ne voulons pas passer par risque en prêchant l'Évangile. Je sors pour visiter parce que j'ai reçu les deux doses de vaccin et je vais aller les frères qui sont dans l'hôpital, aux hôpitaux, mais je prends soin de toutes les mesures de distanciation. C'est pas un risque en pensée. Nous prenons soin bien de notre santé pour que le Seigneur puisse nous conserver en salut, en santé. Mais nous ne pouvons pas seulement penser en nous. C'est pour cela que aujourd'hui le réseau de soins, c'est très important. C'est pour cela. Est-ce que nous cherchons avec empressement des moyens pour aider les saints? Je veux parler quelque chose de très spécifique, encourager les saints qui sont dans le front du bataille. Je parle à propos du comporteur, des comporteurs qui sont dans le front de bataille, les jeunes qui sortent. Je veux spécifier les frères qui sont devins, qui sont les leaders des églises. Les leaders, peut-être nous pensons, les leaders ont besoin de prendre soin de moi, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Nous avons besoin de prendre soin de lui, d'eux, pour qu'ils puissent avoir des forces pour pouvoir prendre soin des autres. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham Lincoln, de Paul,
Nous entendons à propos d'histoires des pasteurs des églises évangéliques qui s'épuisent émotionnellement. Ils donnent, mais ils ne reçoivent rien de personne. Il n'y a personne qui sait en faire. Donc, ces pasteurs ont besoin de sortir, de s'éloigner du ministère. Bien-aimés frères, je vous prie, rappelez-vous de ceux qui sont vos leaders. Priez pour vous, priez pour eux, paix eux. Peut-être nous les critiquons, mais nous avons besoin de nous rappeler qu'ils sont humains aussi. Priez pour eux qui sont devant l'Église. Oh Seigneur Jésus. Donc Timothée, il avait besoin d'être encouragé dans ce domaine. Trois fois dans ces textes que nous avons lus, il dit, pour n'avoir pas honte, pour n'avoir pas peur d'être un porteur de bénéfices. Tout le monde a abandonné Paul, peut-être pour honte, mais à cause du peur, je ne veux pas être du côté de quelqu'un qui a été accusé comme malfaiteur. Peut-être Timothée a été touché à cause de cela, mais Onésiphore, non. De Timothée 1:8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. De Timothée 1:12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Verset 16. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Trois fois, il parle à propos de n'avoir pas honte. Onésiphore, un porteur de bénéfices, un vase de bénédiction. C'est quelqu'un qui cherche pour les personnes qui ont besoin. Je répète, nous ne savons pas si Onésiphore est allé à Rome à cause d'autres sujets, mais s'il est allé seulement pour rendre visite à Paul, mais même s'il était là-bas à cause de ses propres sujets, quand il est arrivé à Rome, il est allé visiter l'apôtre, le frère et l'ami Paul, l'apôtre. Il risquait sa vie parce qu'il se identifiait avec Paul. Quand il demande où est Paul, les gens peuvent lier Onésiphore à l'apôtre Paul. Donc, Paul était quelqu'un dangereux. Son accusation était à cause de Juifs. Il était accusé de causer une révolte contre l'empereur romain. Pensez dans la situation qu'il est arrivé à cette époque-là. Aujourd'hui, c'était comme visiter un prisonnier accusé de terrorisme aux États-Unis. C'était comme cette situation. Donc, à cette époque-là, tout le monde qui était à Rome voulait sortir de là. Mais Onésiphore y est allé. Nero. E quando fala de Onesíforo, pessoalmente ele fala, o Senhor lhe concedeu naquele dia, que é o dia do Senhor, dia do... Les chrétiens avec l'huile et les brûlaient. Et des autres s'étaient livrés aux bêtes.
Au-delà de cela, Onésiphore a risqué sa vie. Il a cherché Paul jusqu'à le trouver. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'apôtre Paul était son ami, son leader spirituel. Il était en difficulté. Le Seigneur nous appelle pour être des Onésiphores. Peut-être nous voulons être des pôles, mais pourquoi ne pas être Onésiphore? Prends soin des frères, prêchons l'Évangile, être un porteur de bénéfices, un vase de bénédiction. Le vase de bénédiction n'ignore pas les besoins des frères. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné entre autres Figel et Hermogène. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde. Onésiphore est un vase de bénédiction, un porteur de bénéfices. Il sert ses amis, ses personnes, les personnes que le Seigneur lui a données. Nous voyons le contraste, j'ai déjà dit, à propos de Figel et Hermogène et Onésiphore. Paul, il parle à propos de Figel et Hermogène, il parle à propos de Onésiphore. Les versets 16 et 17, que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Bien-aimés frères, dans une seule phrase, Paul a parlé à propos de Figel et Hermogène. Il s'en est allé, il s'en est enfoui. Le fait, c'est que Figel et Hermogène n'ont pas donné de bénéfices à Paul. Ce que Paul a dit, dans une phrase, nous avons la biographie de Figel et Hermogène. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Mais dans une seule phrase, Paul a écrit la biographie d'Onésiphore. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il a été quelqu'un qui a encouragé Paul, a ranimé Paul, il n'a pas eu honte des chaînes de Paul. C'est quelque chose de très belle, loué soit le Seigneur. Ici, nous voyons Onésiphore, le porteur de bénéfices. Bien-aimés frères, comment la Bible pourrait nous décrire pour écrire notre biographie, ma biographie, votre biographie? Quelle serait la phrase que la Bible parlerait à propos de nous? Peut-être, elle dirait que nous sommes quelqu'un qui cherche ceux qui ont besoin. Peut-être elle dirait que nous sommes des porteurs de bénédictions. Peut-être elle dirait que nous sommes ceux qui demandent, est-ce que je peux prier pour vous? Je pratique cela aujourd'hui. Il y a des gens que je peux visiter. Il y a des autres que je ne peux pas le visiter. Je peux donner un coup de fil. Cela encourage beaucoup de frères. Pour finir, bien-aimés frères, je veux lire et parler à propos de la miséricorde. En 2 Timothée 1, 16, Paul dit que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison de nos efforts. Dans le verset 18, ce verset, c'est merveilleux, nous montre quelque chose à propos de l'avènement du Seigneur. Dans le tribunal de Christ, nous voyons une porte que le Seigneur peut ouvrir, une porte de miséricorde que le Seigneur lui donne d'obtenir. Quel jour? Le jour du jugement. Obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'on est fort à porter des miséricordes à propos de Paul.
Matthieu, verset 5, 7, dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si nous portons des miséricordes, Dieu nous traitera avec miséricorde. Jacques 2, 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ce que nous lisons maintenant dans le verset 18 de 2 Timothée 1. Si nous mettons ensemble ces versets, nous voyons que si aujourd'hui nous portons des miséricordes, je me rappelle de Romains chapitre 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. C'est-à-dire, nous sommes dans le corps du Christ, dans le réseau de soins, dans la prédication de l'Évangile. Chacun d'entre nous doit rencontrer sa fonction en tant que membre du corps. C'est une vision merveilleuse qui nous soulage, qui nous donne de la joie que chacun puisse servir dans ce que Dieu nous a donné. Puisque nous avons de dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Est-ce que nous avons pensé à propos de cela qu'il existe un ministère qui s'appelle Miséricorde, qui le fasse avec joie? C'était le ministère d'un effort. C'était le don d'un effort. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je ne suis pas celui qui demande au frère, comme celui qui était quelqu'un qui avait emprunté quelque chose en argent avec une autre personne. Le verset 18. Dans le jour du jugement, si nous exerçons miséricorde, c'est possible que le Seigneur nous donne du miséricorde dans ces jours-là. J'utilise l'huile pour faire la comparaison. Si Dieu porte de miséricorde envers quelqu'un, le jour du jugement, le Seigneur jugera l'huile. Peut-être manque 100 millilitres, mais le Seigneur voit que j'ai exercé des miséricordes envers les frères. Le Seigneur sera miséricordieux avec moi. C'est ce qui signifie en 2 Timothée 1, 18. Mais quelqu'un qui seulement à juger, seulement à demander, peut-être il a manqué 1 000 litres. Mais le Seigneur, en voyant sa conduite, mais tu ne pourras entrer. Nous voyons ici dans le verset 18 qu'aujourd'hui, le Seigneur a besoin de celui
de ceux qui portent de miséricorde et qui portent de bénéfices. On va de bénédiction pour apporter les bénédictions pour les incrédules et pour les frères qui sont nouveaux et pour ceux qui abandonnaient le chemin. Que le Seigneur ait miséricorde de nous, que nous pouvons nous donner. Le frère Pedro, il a dit que l'amour, c'est donner. Actes, chapitre 20. Apesar de tudo isso, apesar de todo esse contexto desfavorável, Onesíforo arriscou, se arriscou em verset 34. Perigosa e procurou Paulo até encontrar. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. C'est un porteur des bénédictions. Les faibles, vous pouvez comprendre que c'était ceux qui sont, ceux qui ont besoin de, tout le, de toutes les choses. Et se rappeler des paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a des moments où nous avons besoin de recevoir. Mais il y a beaucoup de moments que nous avons besoin de donner. Il y a plus de gens qui ont besoin de recevoir. Quand tu donnes toi-même à, à quelqu'un, la vie réjouit, à la vie jouit de toi, lui soit le Seigneur. Psaume 41, verset 1. Psaume 41. Verset 1 jusqu'à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, et l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde, lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. L'hymne 4, 3, 3. Je chanterai la première strophe et le refrain. Est-ce que ta vie, c'est un vase de bénédiction? Est-ce que tu es en des efforts? Est-ce que tu es en vase de bénédiction pour quelqu'un? Jaillit l'amour de toi. Est-ce que l'amour de Jésus est dans toi. Fais-moi un vase de bénédiction. Vase de bénédiction, c'est ma prière. Je suis soumis à ton service comme un vase de bénédiction. Oh Seigneur, je vous invite à chanter les strophes 1 et le refrain. Mostrado Jesus aos perdidos, estás a servir o Senhor. Faz-me um vaso de bênção, Senhor. Queridos irmãos, como é que a Bíblia, se a gente tivesse, se a Bíblia for escrever sobre a gente, qual é a frase que a Bíblia usaria para escrever a minha biografia e a sua biografia? Não vamos falar de uma biografia longa, não. Só uma frase. Qual seria a frase que a Bíblia usaria para escrever a sua biografia? Que o Senhor faça de toi um onésifort, que nós soyons des vases de bénédiction, que nós soyons des porteurs de bénéfices. Ce sont de petits versets qui sont insérés dans le contexte de 1 et 2 Timothée qui parlent de la colonne et l'appui de la vérité. C'est quelque chose de très intime, attaché à l'amour de Dieu qui doit sortir de nous pour toucher les gens, les jeunes personnes et pour prendre soin des agneaux qui sont étalés. Et le Seigneur veut le rattraper. Et maintenant, je vais lire les versets de nouveau.
16. Misericórdia, casa de Onesíforo. Misericórdia, a casa de Onesíforo. Porque muitas vezes me deu... Que le Seigneur reponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Alléluia, en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Jésus est le Seigneur jusqu'à la prochaine opportunité. Alléluia par cette parole. Je m'appelle Alexandre Camargo. Je suis à Piracicaba, à l'église Piracicaba. Cette parole, c'est très riche. Cette parole nous touche profondément notre cœur, car il y a beaucoup de fois que nous parlons à propos du Paul, qu'il a reçu beaucoup de révélations, qui était un grand serviteur du Seigneur. Mais nous ne parlons pas du Paul qui a été abandonné. Beaucoup de personnes ont abandonné Paul. Les chrétiens évitaient aller à Rome, mais il y a eu un frère qui a été touché. On a vu la condition du Paul et Onésiphore, ses frères. Il est allé envers Rome. Il a cherché avec beaucoup d'empressement à Paul pour l'encourager. Et Paul, il a donné son témoignage que Onésiphore lui a donné l'encouragement. Il y a des frères aujourd'hui qui sont dans les prisons. Il y en a d'autres qui ont besoin d'accueil. Que cette parole puisse nous toucher et que nous puissions bâtir un réseau de soins. Tous les frères sont notre but pour que nous puissions les aider. Le Seigneur même a dû le soin du disciple. Je vais être très touché et ranimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle pour que nous soyons des Onésiphores les uns pour les autres. Amen. Le Seigneur nous fasse Onésiphores. O que preside, o presbítero, o que preside com diligência. Olha só. Amém. Je m'appelle Sonali Machado. J'habite à Uberaba, Minas Gerais. Quelle parole avec d'amour. Je suis professeur et quand ton élève il manque les classes, nous faisons la recherche active. Onésiphore, il a fait une recherche active. Dans ma profession, nous cherchons ce élève. Nous le cherchons et pour savoir pourquoi il est éloigné. Onésiphore est allé cela envers Paul. Il a montré. Il a montré à Paul tout ce qu'il avait besoin. Le frère Esdras a dit des phrases comme « Il n'y a personne qui n'a pas besoin de soins. » Aujourd'hui, nous avons le réseau de soins, le réseau de... Au même temps que nous prenons soin, nous sommes soignés. Nous nourrissons, nous sommes nourris. Nous avons besoin de chercher les frères avec beaucoup d'empressement jusqu'à
qu'on les trouve. Quelque chose de très important à propos d'Onésiphore, c'est qu'il a cherché Paul beaucoup de fois. Cela, c'est mon désir, le désir de mon cœur. C'est pour cela que j'ai aimé beaucoup ce message, que je puisse être à la disposition du Seigneur pour chercher ses frères et finalement chercher leur jusqu'à leur trouver. Ne pas désister de lui, d'eux. Ne pas désister d'eux. Nourrir-leur et le soutenir en leur donnant l'animation, le confort, et ensemble, nous serons dans le royaume. Je suis Kaique, je suis dans l'église à Campinas. En fait, cette parole nous encourage beaucoup. À Campinas, nous retenons à les réunions présentielles, mais maintenant, nous ne pouvons plus avoir les réunions, mais cela, ce n'est pas un trou pour nous. Nous avons besoin d'être ranimés. Cette parole nous ranime. Il y a beaucoup de situations par lesquelles nous passons. Ils sont des choses différentes. Mais dans ces moments, nous avons besoin d'être ranimés et ranimer les frères. Visiter, donner des coups de fil, téléphoner pour raccourcir cet éloignement et retirer ces frères qui sont dans ces trous, dans ces prisons. Nous avons besoin d'être heureux, même si nous sommes en persécution. Cela ne peut pas se comparer à la persécution par laquelle Paul a passé. Le Seigneur, il a pour nous, si le Seigneur a pour nous cette situation d'éloignement, que nous pouvions faire tout ce que nous pouvons pour ranimer les frères. Ce message, c'est un message qui nous dit que nous avons besoin de faire quelque chose au-delà de ce que nous faisons maintenant. J'ai besoin d'aller chercher les frères qui sont dans une prison. C'est mon sentiment. Jésus est le Seigneur. Seigneur Jésus, je m'appelle Paloma. Je suis à Capivari. Cette parole, c'est extraordinaire car le Seigneur a renouvelé l'appel d'être en Onésiphore. C'est être en ami, en compagnon spirituel, la tribulation dans le royaume, dans la persévérance. Nous avons besoin d'être ce sentiment. En fait, nous avons besoin de prier que nous soyons des vases de bénédiction. Onésiphore, au-delà de toutes les situations par lesquelles Paul a passé, il était la source de l'allégresse, de la joie du Paul. Que nous soyons comme ça, en apportant la parole, le console, que le Seigneur puisse vraiment nous utiliser dans ce temps dont nous vivons. Le Seigneur veut nous utiliser comme un vase de bénédiction. Que le Seigneur puisse nous mettre. Nous recevons, mais nous avons besoin de donner, que nous soyons ce vase de bénédiction. Tua vida é vaso de bênção. Amém. Je suis Júlio, de l'église à Jundiaí, São Paulo. Bien-aimés frères, loués soit le Seigneur, nous sommes très encouragés par cette parole. Cette parole, c'est une parole extrêmement importante. À cause du moment où nous vivons, le moment de pandémie, le moment où beaucoup de personnes vivent en dépression. Mais le Seigneur, il compte sur nous. Comme le frère a dit beaucoup de fois, même peut-être vous-même,
passent par, passer par des difficultés, mais il y a des personnes qui passent pour beaucoup plus de difficultés. Il y a des personnes qui ont besoin de ton encouragement. Seulement la présence dans les efforts a encouragé l'apôtre Paul. Il a été quelqu'un qui risquait sa vie, même pour prendre soin des frères. Nous avons besoin de courir, de souffrir, de risquer nos vies, mais vaut la peine de courir, de risquer. La parole, pour moi, c'est miséricorde. Onésiphore a exercé miséricorde pour l'apôtre Paul, et pour cela, l'apôtre Paul a prié pour que le Seigneur puisse donner des miséricordes pour Onésiphore. Que nous puissions être ceux qui ont le sentiment d'amour pour les frères, que le Seigneur puisse nous utiliser, chacun de nous, que notre nom puisse être Onésiphore. Notre biographie puisse être ce vase de bénédiction, lui soit le Seigneur par cette parole, que nous encourage beaucoup, que nous puissions pratiquer cette parole par moyen de l'Esprit et la vie de Dieu. Jésus est le Seigneur.